Et selon le ministre des Habous et des Affaires islamiques, eh bien, le lancement d'Ad-Durus al-Hadith, sous le haut patronage du roi Mohamed VI, est une initiative royale innovante. Il vise à sensibiliser le grand public quant à la parole du prophète pour lui permettre de pouvoir en distinguer entre l'authentique et le faux. C'est ce qu'a déclaré Ahmed Tawfiq hier devant le souverain lors de la présentation du bilan des activités du Conseil supérieur des oulémas et de ses conseils régionaux. Ce rapport est décliné en 6 axes relatifs aux 5 Corans, aux hadiths, aux travaux de l'institution scientifique, à l'intérêt porté aux préposés religieux, aux mosquées et à l'enseignement originel.